une histoire, les enfants? J'ai une petite histoire pour vous. Bonjour, mon nom est Mike Romero. On nous offre un beau combat, c'est une nouvelle boîte, la Dreamcast, le coffre Z. Z, c'est pour zombie. C'est le dernier, c'est la boîte qui va venir clôturer notre huge unboxing d'octobre pour l'événement d'Halloween. J'essayais de trouver des boîtes thèmes d'horreur, évidemment, pour l'Halloween, mais aussi des boîtes qui célèbrent l'horreur à longueur d'année, comme la Horror Block de Nerd Block ou la Box of Dread. Malheureusement, la Box of Dread a sold out, donc je n'ai pas pu la commander. Eux autres fonctionnent différemment. On peut pas la commander à l'extérieur des États-Unis, à moins que la date limite soit arrivée et qu'il en reste. Dans ce cas-là, ils l'ajoutent au store et là, nous autres, on peut la commander à l'étranger. C'est pas un abonnement, vu que c'est une boîte passée, c'est une seule transaction. Par contre, faut attendre que les résidents des États-Unis puissent les commander. Et dans ce cas-ci, ben, la boîte de septembre avait sold out. Je commande toujours celle de septembre pour la recevoir en octobre, vu que la date limite est la fin septembre. Malheureusement, elle a sold out. J'ai juste commandé le macaron, le pins en fait, pour pouvoir avoir un souvenir. Le pins était vraiment beau. C'est le visage de Sam. Je vais vous mettre un petit photo ici. C'est le visage de Sam de Trick or Treats, le film. Donc voilà, c'était leur thème aussi, Trick or Treats. Donc les bonbons sont des soucis, au lieu de bonbons des soucis, ils jouaient sur le mot. Il y a sold out, je ne l'ai pas commandé, malheureusement. De temps en temps, vous allez entendre ma fille pleurer avec sa mère, donc ne vous inquiétez pas. Ben bon, revenons à unboxing. J'ai trouvé celle-ci, la Z-Box. Ça fait pas longtemps qu'elle a commencé. Je ne saurais pas vous le dire combien de temps. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'unboxing sur YouTube et aucun en français. Donc, je pense être le premier francophone à l'unboxer et à en faire une vidéo. Donc, oui, j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a dedans. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ni de thème, ni de licence. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose. J'imagine qu'elle doit être un peu comme Box of Dread. Un gars ou deux, trois gars qui, ou filles aussi, qui font de leur mieux pour pouvoir en faire une boîte mensuelle. Voilà, donc ne tardons plus. On va l'unboxer, la Z-Chest, le coffre zombie. Donc, eux autres, ils célèbrent les zombies à longueur d'année. Donc, je m'attends pas à trouver des licences comme Freddy, Jason ou Michael Myers. Ça va être que du zombie. Je ne sais même pas s'ils ont des licences. Donc, peut-être qu'il y a Walking Dead. Sinon, ça va être des produits zombies sans licence. Allons voir, ne tardons plus. Donc, en fait, moi, je m'attendais vraiment à recevoir une boîte brune, sans plus. Mais le fait qu'ils aient étampé six chests sur le devant et l'arrière, ben, c'est déjà ça. Donc, mais bon. Bon, okay. Comme à l'habitude, je vais vous montrer en premier. Je ne sais même pas si garantissent un t-shirt. Donc voilà, vous voyez. Oh, d'accord, un DVD. On commence avec le DVD. The Will Smith, I'm a Legend. Très très bon. Est-ce qu'il est zoné? Ah oui, région 1. Donc seulement pour l'Amérique du Nord. Malheureusement, moi je l'ai déjà en Blu-ray si je ne me trompe pas, avec la fin alternative et tout. Donc par contre, c'est un bel ajout, un bon DVD, neuf emballé.
Pourquoi pas? C'est très très bien. Malheureusement, ma connexion est aussi grosse. J'imagine qu'elle doit être aussi grande que celle de Regis. Sinon, pas loin. Donc là, ils ont frappé. Et malheureusement, je l'avais déjà. Je touche quelque chose en carton ici. On dirait un cercueil. Ah, d'accord. Oui. D'accord, un collier. J'imagine que c'est un cœur avec des petits cœurs à l'arrière. Donc, est-ce que ça s'ouvre? Ça a l'air de pouvoir s'ouvrir. Malheureusement, je ne sais pas comment. Mais bon, c'est un collier, c'est ce que c'est, avec un doigt. Donc, ouais, pour du zombie, on est servi. D'accord, l'os fracassé en plus. Très, très bien. Le fait qu'il l'a mis dans un carton, c'est presque comme s'il les avait fait eux-mêmes. Le carton, c'est déboîté lui-même. Donc, ouais, pourquoi pas. Les bijoux dans des boîtes comme ça, normalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est original, c'est assez rare d'en voir. Donc, d'accord. Mais cette beauté. Ah, d'accord, la récapépète. Ben, en fait, je touche plein d'affaires, mais ça revient tout à la même affaire. Ok, j'ai des mains de squelette, oui, avec des griffes. J'ai aucune idée ce que c'est gluant. J'imagine que c'est ce genre de truc qu'on lance sur les murs et ça colle. Sinon, il y a un squelette. Voilà. C'est un squelette clown. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Donc, jusqu'ici, la seule licence qu'on a, c'est vraiment I Am Legend. Le reste, par contre, on n'a pas des bien garnis. Creepy Eyeballs Bubblegum. Très, très bien. Bubblegum, c'est des yeux. Oui, c'est scellé, donc pourquoi pas. Le pot est original aussi. Bon, voilà. Ça oui. Ça va. Après, je touche ça. Un petit bijou, c'est des crânes un peu au style Dia de los Muertos. Donc, oui, j'aime mieux ça que le collier. Voilà, donc pourquoi pas, continue. Je sens du tissu. Oh, pas un t-shirt, mais un chandail. Je me souviens même plus, on m'a demandé ma taille. Ça doit, avec... Okay, Fruit of the Loom, ça fait changement de Gildan. C'est un hoodie, voilà, avec à l'arrière Night of the Living Dead. Pourquoi pas? Je suis pas très fan des hoodies. J'ai mis les chandails qui n'ont pas de capuchon, mais trouver un chandail comme ça dans une boîte, c'est impressionnant. Oui, mais je dis oui, pourquoi pas. Donc, c'est tout. Il y a un pins aussi. Où est-ce qu'on voit le visage? J'imagine le zombie. Il n'y a rien d'autre d'écrit. Donc, malheureusement, c'est que ça. Donc, pas grand-chose. La boîte est vide présentement, là, oui. Donc, on va voir, récapépète 1, squelette s'accroche. These are the zombies too far gone for plague reanimation. Donc ça, c'est les zombies qui sont trop loin maintenant, trop détériorés pour les réanimer avec la plague. Donc voilà, ceux-là ne peuvent plus se réanimer, c'est ça qu'il dit, c'est des zombies trop tard.
Night of the Living Dead, Huri, for 1 year anniversary. Bon, ça fait un an qu'ils existent. On a notre réponse. Donc, ils ont décidé de mettre un Huri's avec le classique Night of the Living Dead. Très, très bien. Très, très bien. 3 I Am Legend DVD basé sur le livre de Vincent Price, Last Man on Earth. Voilà, ça, ben oui, c'est très très bon. 4e, les Bubblegum. Creepy and tasty. Try to eat in flesh without that coppery taste of blood. Ensuite, ok, compte ça comme un item. The finger. Severed finger gives you the edge against the horde. Oh, utilisez-le pour distraire. Lors d'une attaque zombie, on peut le lancer pour nous distraire les zombies et nous autres prendre un avantage, une distance lors de notre fuite. Ensuite, un team zombie. I was a team zombie necklace. Show your pride for your favorite meal when it squares around your throat. Middle and core necklace with a classic blood color. Donc voilà, c'est pour les adolescentes, ils disent, montrez votre fierté. Voilà, le cœur avec couleur de sang, parfait. Puis un poker bracelet, ça ici. Show the horde who's the real boss and command their control with the poker bracelet. We hope you enjoy this month's Zeke chest. Thank you for supporting a small Colorado company. No item is meant for child use. Please use discretion. Excellent. Oui. Oui, je dis oui. Malheureusement, il n'y a pas de figurine en tant que telle. On aurait pu imaginer une belle figurine zombie. Non. On a eu 100 guises de figurine. Ça peut toujours servir de décoration à l'Halloween. Donc, je dis oui. Voilà. Par contre, ils n'ont pas fait mention de ça. Mais bon. Donc, oui, une boîte assez moyenne. Le hoodie, c'est... Je m'en attendais pas. C'est de les gars, mais le film, ça a fait la boîte à peu près. C'est sûr qu'ils ont tenté d'essayer d'être original. Ça doit être dur quand même de faire une boîte zombie à chaque mois. À un certain moment, c'est sûr qu'ils peuvent changer de film et tout, mais bon, à un certain moment, on manque d'idées, on manque d'articles. Par contre, les licences qu'il y a eu, je vous le rappelle, Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants, et I Am Legend, je l'aurais pris en pas sachant les licences, un peu comme Darrow Block. Par contre, oui, je suis surpris de la boîte, je m'attendais à moins. Par contre, je suis agréablement surpris, ça oui. Bien sûr, le film, je l'avais déjà. Le collier, je l'utiliserais peut-être pas. Le macaron, il valait avec les autres. Le doigt, même chose que le squelette, ça va être pour l'Halloween. Ça, j'ai aucune idée ce que c'est. Mais bon. Ensuite, les gommes, ça oui, je vais les mettre dans mon auto. Puis je vais en manger une par soir après le travail. Bracelet, je m'en servirais peut-être pas non plus. Mais le hoodies, oui, je vais le porter, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un bon hoodies quand même, Fruit of the Loom. Donc, oui, je suis surpris, agréablement surpris. Et je vais continuer à la commander chaque octobre, s'ils sont encore là l'année prochaine. Donc, nous la commanderons pour leur 2e anniversaire. Oui, en fait, voilà, moi, je vais vous demander de vous souscrire si vous avez aimé ce que vous avez vu, de donner un pouce en l'air, pourquoi pas. Mais bon, dites-moi dans les commentaires l'article que vous avez le plus surpris. C'est sûr que moi, c'est le hoodie, je m'attendais vraiment pas. Au mieux, je m'attendais à un t-shirt, mais pas un hoodie. Donc, c'est vraiment le hoodie.
Si je devais pas mentionner l'audience, ben, je dirais le squelette. Ouais, le squelette, je m'attendais vraiment pas à avoir un squelette dedans, surtout aussi grand. Donc, voilà. Mais je veux savoir, vous, l'article vous a le plus surpris, et si c'est le Roadies, le deuxième article vous a surpris aussi, que vous attendiez pas vraiment à voir dans une boîte d'horreur de zombies, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Comme d'habitude, je vous remercie de regarder, et je vous dis à la prochaine.